Papa, mais je n'ai même pas mis. Donnez le téléphone. Le téléphone. Un, deux, trois, chante. C'est la vie fidèle et tendre.
sainteté. Thank you.
158. Amen. 158. Et il y avait un cantique là que je voulais qu'on chante parce que depuis hier. On va y arriver. On va arriver. 158. Et nous avons 158. Amen. Amen. Oh, mon sauveur, à toi seul je veux être. Le Seigneur m'aime, bon insupprême, le Seigneur.
Continuez de dire merci au Père. Continuez de dire merci au Père. Dieu dit merci parce que c'est lui qui te garde. C'est lui qui te préserve. C'est lui qui te donne de quoi manger. Ce n'est pas par ta propre force. Continue de lui dire merci. Dis merci au Père pour le souffle de vie qu'il a voulu renouveler, pour l'expression de ses faveurs dans ta vie. Merci Père. Merci Père. Merci parce qu'il te préserve contre les langues qui t'attaquent, contre les imprécations qu'on fait contre toi dans la sorcellerie, dans les ténèbres. Il est disciple. Merci Père. Alléluia. Alléluia. Continue de lui dire merci. Dis-lui merci pour ta famille. Merci pour ces plans dans ta vie. Il dit dans la Bible qu'il connaît les plans qu'il a fait pour toi. Les projets qu'il a fait pour toi sont les projets de paix et non de malheur, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Dis-lui merci pour cela. Ce n'est pas tes ennemis qui ont le plan de ta vie, c'est lui. C'est lui qui t'a engendré et ne te laissera pas au bon plaisir de l'ennemi. Père, merci pour ce moment merveilleux que tu places au-devant de nous. Merci pour ton peuple ici présent. Merci Père de gloire pour ceux qui nous écoutent partout dans le monde. Merci pour ceux qui sont connectés maintenant. Merci Père parce que tu visites les cœurs. Merci parce que tu visites notre âme. Merci pour les délices Père que tu as en réserve pour nous. Merci Seigneur pour ces privilèges que tu nous donnes. Merci Père de gloire parce que nous faisons partie des sanctifiés. Gens de la maison de Dieu, peuple saint, un royaume de sacrificateurs. Quel privilège d'avoir un Père comme toi, le roi de l'univers. Alléluia.
Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir, veuillez vous asseoir. En disant à quelqu'un, bienvenue dans sa sainte présence. En disant à quelqu'un, bienvenue dans sa sainte présence. Encore. Bienvenue dans sa sainte présence. Dis à quelqu'un, bienvenue dans sa sainte présence. Et quand tu finis de dire ça, tu le bénis de toutes sortes de bénédictions que se trouvent en toi. En proclamant la bénédiction sur ton frère, sur ta sœur. Merci. Seigneur, merci pour ceux-là qui nous écoutent dans le monde entier. Je prie au Père que tu bénisses cette femme qui m'écoute. Que tu bénisses ce frère qui m'écoute maintenant, Père, et qui veut plus de relations avec toi. Seigneur, ceux qui prient au Père de gloire pour avoir plus de connaissances dans ton esprit et des relations avec toi. Je prie, Dieu de gloire, que tu les bénisses. Que tu les visites et que tu les remplisses de ton esprit. Alléluia! Veuillez vous asseoir, veuillez vous asseoir, veuillez vous asseoir. Je vous salue grandement dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vos téléphones qui sont ici, j'espère que ça n'est pas enregistré, non? Oui. Que Dieu vous bénisse, veuillez vous asseoir. Bonjour à Bonaberi. Bonjour. C'est Bonaberi ou c'est Bonandele? Bonandare. Bonandare par Bonaberi. C'est pas ça, hein? Que Dieu vous bénisse, veuillez vous asseoir. Ce qui est bien, c'est que ce dimanche, vous voyez que même l'atmosphère est fraîche. On est d'accord? Vous êtes d'accord qu'on travaille les enfants? Il y a assez d'espace là-bas, les enfants, asseyez-vous. Ça va les enfants? Les enfants ne parlent pas ici. C'est l'anglais que vous parlez. Ça va les enfants? Ça va. Recule-toi comme ça, ça laisse ça, soit bien. Très bien. Vous êtes bien assis, n'est-ce pas? Tommy, tu es bien assis? Et regarde quelqu'un à côté de toi, souris à la personne. Dis à la personne, sois toujours joyeux. Non, je n'ai pas dit que tu parles à toi-même. Je dis, regarde quelqu'un juste parce que tu te rends compte que ses yeux te regardent. Dis, sois toujours joyeux. Dis encore, sois toujours joyeux. À une autre personne, sois toujours joyeux. Que personne ne te ravit ta joie. Reste calme. Ton rédempteur est ton Père. Tu n'as rien à craindre. Le paradis t'attend. L'enfer n'est pas pour toi. Ne panique pas. Le Seigneur est ton Dieu. Il est ton Père. Ton protecteur. Ton souverain rédempteur. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Si tu traverses les eaux, il est maître nageur. Si tu passes par le feu, il te couvrira. Le feu ne peut rien contre toi. En fait, il a résolu le plus grand de tes problèmes. Il t'a pardonné. Le plus grand de tes problèmes, tu étais son ennemi. Il t'a réconcilié. Tu n'as plus de problème avec Dieu. Alors réjouis-toi. Applaudissons pour le Père. Vous allez bien? Est-ce que vous comprenez pourquoi je vous fais répéter ça? Est-ce que vous comprenez pourquoi je vous fais répéter ce que je suis en train de vous dire de répéter là? Hey, les gens, si vous avez dormi comment? Est-ce que vous comprenez pourquoi je vous fais répéter? Je dis ça que répéter. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'en réalité, vous avez eu à entendre et à incrustrer en vous et à faire gommer en vous les mensonges qui vous ont mis dans les conditions que vous êtes. Donc ce que je suis en train de faire, je suis en train de reprogrammer votre intelligence. Amen. Reprogrammer votre foi pour que ton cœur, si n'importe qui dit n'importe quoi, tu dis ce que Dieu a dit de toi. Amen. Ce qui est important, c'est ce que Dieu pense de toi parce que l'homme pense de toi. Amen. Vous avez compris? Amen. Dis, je suis la fille et le fils du Très-Haut. Je suis la fille et le fils du Très-Haut. Le Seigneur Jésus est mon frère. Le Seigneur Mon avocat. Personne ne peut le tromper. Je suis sa brebis. Son préféré. Regardez, dans le psaume 81, regardez ça. Dans les psaumes 81, le verset 14. Ah, merci Père. J'aime, ici là, j'aime quand vous lisez plutôt.
Parce qu'il voulait citer ça. On va lire. D'accord? Dis à quelqu'un, bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Ouvrez la Bible, regardez ce qu'il vient de dire. Là, on va lire 3 ou 4 passages concernant ceci. Regardez, ils sont en train de parler avant que ça me vienne sur le cœur comme ça là. Dans le psaume 81, il y en a deux Hérodés. Ouvrez vite, je me sens bien. Qui se sent bien? Amen. Le psaume 81. Tout le monde a ouvert? 81. Psaume 81. Le verset 14. Qu'est-ce que ça dit, mon cher? Verset 14. Mmh. Oh, si mon peuple m'écoutait. Hein? Si Israël marchait dans mes voies. Oui. Verset 15. Oui. En un instant. En un instant. Je confondrai tous ses ennemis. Écoutez, écoutez ce que le Père dit. Il dit, oh. Ça veut dire, voici ce que Dieu est en train de faire. Dieu fait comme un papa qui dit, ouais, l'enfant ne me comprend pas. Oh. Il dit que, oh, c'est ce que Dieu fait. Il dit, oh, si l'église de Bonanda les comprenait, me comprenait, s'ils m'écoutaient. Donc, ça veut dire qu'il faut cesser, enlever l'oreille à écouter autre chose, à écouter autre personne. Il faut écouter qui? Le Seigneur. Il dit que si mon peuple m'écoutait, virgule, s'il... Mais les gens, si vous avez dormi où? S'il marchait dans mes voies. Puis il dit, si ces deux conditions, si un, écouter, deux, marcher dans ses voies, si c'était réuni. En un instant, il va faire quoi? C'est pour cela que justement, la tactique de l'ennemi, c'est de distraire pour que tu n'écoutes pas Dieu et que tu ne marches pas dans les voies de Dieu. Parce que lui, il sait que lui, il est en danger s'il te laisse écouter Dieu. Et marcher dans ses voies. C'est pour ça que je dois vous reprogrammer. Si mon peuple m'écoutait et que s'il marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais ses ennemis. Il va réduire les ennemis. Mais maintenant, dans les églises des bruits, on nous a enseigné plutôt maintenant à lutter contre l'ennemi au lieu de faire ce que Dieu a dit avant que lui. C'est que quand quelqu'un est venu vers toi, c'est Dieu qui le tient. Dans Proverbes chapitre 3, si vous regardez le verset 20 et suivant, la Bible déclare que si tu écoutes ma voix, mon fils, si tu écoutes ma voix, si tu prends ma parole, tu fais ceci. Il dit, quand tu te coucheras, tu ne craindras pas une attaque soudaine de l'ennemi. Ton sommeil sera doux. Mais on nous enseigne plutôt, regardez la reprogrammation. On nous enseigne seulement qu'en dormant, tu pries, tu protèges la main, tu verses le sang de Jésus partout. Il n'y a pas un verset comme ça dans les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures veulent que nous soyons en conformité, en étroite collaboration, en lien parfait. Le serment qui est lié au sept. Quand tu es connecté à Dieu, quand tu es connecté au Seigneur juste de la bonne façon, sa sève coule en toi. Et donc, personne, tu n'as pas besoin de dire que Seigneur, je couvre le sang. Quand les gens disent que je verse le sang, c'est parce qu'ils ont peur. Oh, si vous versez le sang, comme j'ai dit, vous versez le sang partout pour protéger la maison. D'autres encore partent prendre l'eau. Pasteur, prie pour moi, cette eau, il prend l'eau, il verse dans la maison. Il verse dans la maison. Bon, si l'eau s'évapore, tu fais comment? Pour quelqu'un qui dit, arrête les bêtises. Arrête les bêtises. Et suis ce que Dieu dit. Et suis ce que Dieu dit. Très bien. Donc, dans ce psaume 81, je suis en train de vous saluer seulement, là, c'est la salutation. Donc, dans le psaume 81, versets 14 et 15, il dit, si mon peuple, remarquez que je ne suis pas de parler d'Israël, il dit, si mon peuple m'écoutait, s'il marchait dans mes voies, entouré ses voies, s'il marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais ses ennemis, je réduirais ses ennemis, je balayerais ses ennemis. Ça veut dire quoi concrètement? Dieu s'intéresse beaucoup plus à ta relation avec lui plutôt que tes ennemis que tu veux combattre. Ça veut dire qu'il ne veut pas que tu t'occupes de tes ennemis, que laisse-le se couper de lui. Vous voyez cela? Ça veut dire qu'en fin de compte, nos ennemis ne sont même pas de match. De l'autre côté, il nous a donné le pouvoir sur eux, sur leur puissance. De l'autre côté, il dit que si ça te dépasse, concentre-toi seulement sur moi. Je les traite. Vous me comprenez, frère? Quand vous regardez le mur de Jéricho, vous dites que le mur de Jéricho sont tombés. Qui a renversé le mur? Parce qu'ils ont écouté les voix de Dieu. Et ils ont marché comme Dieu a dit de marcher. Il a renversé leur ennemi. Point. Partout dans la Bible où il y a eu la victoire, c'est parce que Dieu a donné une instruction. Il a donné des directives. Les gens ont écouté et marché d'après les directives. Les résultats ont été conséquents. Vous me suivez? Amen. Regarde, quelqu'un dit qu'il est temps. Il est temps. Qu'on rectifie le tir. On rectifie le tir. Il est temps. Il est temps. Qu'on soit reprogrammé. C'est pour ça que mon grand frère dit qu'il faut qu'on soit transformé par le renouvellement de notre intelligence.
Parce que quand tu sors du monde, tu viens en Christ, il y a un enseignement sur le dépouillement. Dépouiller, ça veut dire qu'on enlève. On enlève. Le langage simple pour bien dire ça qui choque, c'est le lavage des cerveaux. Je vais laver vos cerveaux. Amen. C'est vrai qu'on dit ça, ça fait un genre, non? Il faut que ça fasse un genre pour que tu comprennes que je me programme. Et je vous ai dit ça, que je veux comme ça nettoyer vos cerveaux. C'est qu'on vous a dit qu'il n'est pas de Dieu, afin que quand pour Dieu va venir. Vous entendez les enseignements, il dit que le lieu où je dors tranquillement sans prier, c'est là où il y a les ennemis. Parce que c'est lui qui est en danger. Parce que quand je me couche comme ça, lui, il a intérêt à dire que si le gars s'est calme, il sait ce qu'il compte. Vous comprenez cela? Oh, maintenant, quand, plus tu parles, plus tu dévoiles. Plus tu parles, plus tu te dévoiles. Quand tu es dans la nuit, tu fais au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a la grand-mère du quartier quand elle est passée, il part plutôt à la réunion de sorcellerie quelque part. Il ne te connaît même pas. Tu es voilà, au lieu de dormir, tu es en train de prier. Est-ce que vous comprenez? L'ange de l'Éternel autour. Pour que l'ange soit là, il faut seulement faire quoi? Simple. Donc quand tu dors, qui est ton garde du corps? On a dit que tu passes la nuit à prier. Pour que quelqu'un dit qu'il faut changer. Donc, vous voyez comment je sors du feu, le lavage de cerveau, non? Amen. Le lavage de cerveau. Amen. Lavage de cerveau. Si mon peuple m'écoutait, et si ce peuple-ci qui m'écoute marchait dans mes voies, en un instant, je vais dealer avec leurs ennemis. Donc, Dieu nous informe qu'en fin de compte, vous avez les ennemis. Que tu le veux ou pas, tu as les ennemis. Et vous entendez les chrétiens dire que non, je ne vais pas au quartier de Bonanda. Il y a les sorciers là-bas. Point, quelqu'un dit qu'il n'y a pas de sorciers où? Il n'y a pas de sorciers où? Ils sont plus nombreux sur la terre que nous. Oui, il faut que vous sachiez cela. Si vous voulez comprendre combien, quel est le nombre des sorciers sur la terre, quand il parle des sorciers, ça veut dire que toutes les gens qui ne sont pas des dieux, allez seulement au champ, nettoyez seulement une surface, vous enlevez toutes les herbes, mettez le maïs, vous mettez le maïs comme ça, vous faites un pas, vous mettez le maïs, non. Donc vous pouvez compter combien de fois vous avez mis le maïs. 5 jours, venez voir combien d'herbes il y a là-bas. Et puis vous allez voir que les herbes se multiplient, le maïs ne se multiplie pas. Donc ce qui est bon ne se multiplie pas, ce sont les mauvais là qui se multiplient. Et là, vous allez comprendre maintenant qu'ils sont nombreux. Tu vas dire que mince, j'ai nettoyé les herbes aussi. Yeah. J'ai mis le maïs. Ceux-ci sortent d'où? On a dit que vous êtes en danger. C'est ça. Parce qu'en fait, dans Matthieu chapitre 13, Jésus a dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé la bonne semence dans son champ. Pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu semer quoi? Des livrets parmi. Et quand les herbes, quand le vrai a poussé, le livret aussi a poussé. Les serviteurs ont dit que, mais n'avons-nous pas, même les anges étaient étonnés, n'avons-nous pas semé une bonne semaine dans ton champ? D'où vient-il qu'il y a des livrets? Donc, le livret, c'est le symbole des fils du diable. Et le symbole que c'est partout, ils sont nombreux. Jésus lui-même a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 14, il dit, large et spacieux est la voie qui mène à la perdition. Il dit, plusieurs entrent par là-bas. Et toi, tu es la voie qui mène à la vie éternelle, peu le trouvent. Donc, ceux qui entrent par là-bas sont peu. Ceux qui vont de l'autre côté, la voie spacieuse sont nombreux. Donc, c'est pour te dire que si tu veux fuir un endroit, tu ne peux pas fuir. Va construire en brousse. Tu dis que non, je vais chercher le terrain là où il n'y a personne. Mais c'est là-bas qu'il vient faire l'aéroport. Amen. Tu vas commencer à entendre, tu dors, tu entends que l'arbre est en train de parler. Tu entends que c'est la réunion, que ce n'est pas dans l'arbre. Donc, tu as fui la ville, venir les trouver dans le champ. Tu dis non, je m'en vais dans les montagnes. La montagne commence à parler. Il n'y a nulle part où cacher sur la terre. Le seul lieu d'assurance dans l'univers où c'est caché, c'est en Christ. Amen. Et donc quand tu es en Christ, tu as l'assurance. La Bible déclare que le juste a l'assurance d'un jeune lion. Amen. Pourquoi un jeune lion est là comme ça, sa mère le fait. Il est sûr que sa mère c'est sa protectrice. Il joue partout. Il y a le loup là-bas, ça ne le gère. Il ne gère pas cela. Il sait que sa mère fait, oh, chacun va se mettre au pas. Et nous avons le lion de la tribu de Judas. Amen. Le lion de la tribu de Judas. Amen. Qui est ton père? Alors, est-ce que vous êtes prêts donc au renouvellement de l'intelligence? Amen. Il ne faudrait pas que quand on fonctionne, tu en aies de discuter avec quelqu'un. Après, tu dis que chez nous, les Bamlékés, notre coutume dit que, avant de te rendre compte que tu es chrétien, que tu n'es plus, vous comprenez cela? Ça veut dire que l'injection de la coutume doit quitter. C'est dans ta conversation que tu peux savoir que ton langage te fait connaître. Quand dans la famille, on prend position en disant qu'il faut qu'on parle au village. Et puis tu entends ton père dire que même si tu es de l'église, même les pasteurs, je connais les pasteurs qui font au village faire quelque chose. Le pasteur là n'est pas la référence. C'est les saintes écritures qui nous donnent la référence. Vous devez prendre position pour la vérité. Donc dans les minutes qui suivent, on va continuer sur ce qu'on a vu hier en vous transformant la pensée. Vous comprenez? Regardez le psaume 25, verset 4. Ça parle toujours de ces mêmes choses-ci. Le psaume 25.
Le psaume 25. Comme vous avez lu le psaume donc là, regardez. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Il est temps de vous saluer seulement. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Amen. Dans le psaume 25, verset. Vous avez vu ça, hein? Enseigne. 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 Donc voici quelqu'un qui a soupiré. Enseigne quoi? Moi tes sentiers. Oui. Conduis-moi, dans ta vérité. Mm-hmm. Et instruis-moi. Instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Mm-hmm. Verset 6. L'Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté. Mm. Car elles sont éternelles. Toi, lis. Verset 4 et 5. Fais-moi connaître. Tu as un problème, frère. Verset 4. Attends. Pourquoi tu lis dans ton cœur? Chapitre 25. Mm-hmm. Okay. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté. Tu es où là, frère? Je sens que moi, je vais chercher une Bible. Je ne peux pas compter sur vous ici là. Éternel, fais-moi connaître ta voix. Stop. Vous entendez ça? Éternel, fais-moi connaître tes voix. Je suis en train de vous le montrer quelque chose sur les voix. Il a dit dans le psaume chapitre 81, verset 14, que si mon peuple m'écoutait et que s'il marchait dans mes voix, en un instant, je confondais ses ennemis. Ici, il dit, fais-moi connaître donc ces voix donc là où tu veux que je marche. Vous avez moi? Oui. Ouvrez le psaume 103. Le psaume 103. Nettoyez ici pour que les gens ne piétinent pas ça, d'accord? Ça. Le psaume 103. J'ai juste envie de vous dire bonjour avant qu'on commence les vraies choses. Amen. Le psaume 103. Que la grâce et la paix de notre glorieux Seigneur vous soient multipliées. Amen. Vous y êtes? Vous êtes dans. J'ai lu quel livre déjà? Le verset 7. Qu'est-ce que ça dit? Le verset 7. Il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. La Bible dit ici que le Seigneur, notre Père, a manifesté. Manifester, ça veut dire montrer, démontrer. Il a prouvé. Il a fait voir. Maintenant, on a deux groupes ici. À Moïse, il a fait quoi? Connaître quoi? Ses voix. Aux enfants d'Israël, il a fait quoi? Ses œuvres. C'est pour ça que les gens des enfants d'Israël étaient toujours égarés. Maintenant, on va s'arrêter là, sur ce verset particulièrement, on va commenter. Et ça va nous amener davantage au nettoyage. D'accord? Il dit qu'il a manifesté ses voies à Moïse. Et ses œuvres aux enfants d'Israël. Hier, nous avons vu ici que les œuvres, ou bien les fruits, sont les manifestations extérieures. C'est-à-dire les miracles, les prodiges que vous pouvez voir là. Ça, les enfants d'Israël connaissaient plutôt ça. Mais les voix de Dieu ne connaissaient pas. C'est pour ça que dans le psaume 81, il dit que si ce peuple-ci m'écoutait et qu'il marchait dans mes voies, en un instant, ils confondent les ennemis. Ce sont des gens que tu fais, ils mangent, ils boivent le bien. Quand deux jours, ça tarde, ils disent, c'est Moïse, cet homme. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Ils oublient que hier, ils ont mangé par Moïse. Hier. Un temps, c'est que quand ils disent, Moïse, hey, on va t'écouter. Quand on a vu comment Dieu était en train de faire, parler sur la montagne hier, c'est lui qu'ils ont demandé à Moïse, que Moïse parle, on va t'écouter. Vous comprenez ça, frère? Mais Dieu nous dit ici, qu'il a manifesté ses voix à Moïse. Je crois que dans notre enseignement, véritablement, il faut qu'il revienne là-dessus. Si le Seigneur nous permet de faire ici, parce que vous allez me dire ici que je suis venu vous séquestrer pour 5 jours. Si il tente de dire qu'on ajoute encore 2 jours sur ça, peut-être vous allez refuser. Non. Tu vois que tu parles seul, personne ne parle, non? Quelqu'un dit là-bas que tu vas venir seul. Il y a tellement de choses à voir dans les Saintes Écritures. Tellement. Parce que si je vais enseigner seulement sur la voie là, maintenant on va prendre une semaine seulement sur cela. Amen. Seulement. Notez Hébreux chapitre 3. Vous tapez l'enfant pour qu'il bavarde quand il ne prêche pas. Hein? Je vais prêcher. J'ai demandé que vous notez Hébreux chapitre 3. D'accord?
Permettez-moi de parler de ce psaume 103, verset 7 que nous avons lu là maintenant. Il dit qu'il a manifesté ses voies à Moïse. Et on a dit manifester ici, ça veut dire quoi? Qu'il a montré. Donc on va prendre ici, voici Moïse ici. Et tout le reste, c'est le reste des enfants d'Israël. D'accord? Donc, voici Moïse. Dieu lui a montré ses voies. Je veux la notion du voie là. Je vais sûrement glisser là-dessus parce que ça a en relation avec ce qu'on va voir tout à l'heure. D'accord? Maintenant, à celui-ci, il montre ses voies. Aux autres, il manifeste ses œuvres. Donc, eux, ils voient les œuvres de Dieu. Celui-ci connaît les voies de Dieu. Vous comprenez la différence? Les voies de Dieu, ce sont ses manières d'agir. Ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Sa volonté, son comportement, son désir et connaître le plan parfait qu'il a en lui. Voilà ses voies. Donc, les voies de Dieu révèlent le secret et la volonté de Dieu. Les Israélites ne connaissaient pas quels étaient ces secrets, ces manières que Dieu attendait qu'on marche. Quand on dit voie, ça veut dire que chemin, dans le premier ordre, c'est le chemin. C'est comprendre la personne. D'accord? Ils ne comprenaient pas Dieu. Et donc, s'ils écoutent, ils écoutent, mais la compréhension, ils n'en comprennent pas. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? La nourriture, les œuvres. Moïse, est-ce que ton Dieu là peut nous faire voir manger un peu de caille là? Il fait vroup, ça mange. Les gars mangent. Nous avons, là, on mange, on vomit. Oh, la manne, il dit la manne va sortir. Il commence à prendre. Moïse dit que, prenez seulement la quantité. Il se pose la question que le type c'est normal. C'est versé là-bas dehors. S'il ne prend pas, mon voisin prend. Je vais manger quoi? Il dit que non. Si vous prenez, vous mettez à l'intérieur, ça sera infect. Prenez juste la quantité. Parce que Dieu voulait leur faire apprendre que je veux que vous comptez sur moi pour manger. Quand il dit sort, tu sors. Quand il dit un, tu un. Quand il dit prends deux, tu prends deux. Vous comprenez cela? Dans l'accomplissement et dans la mise en pratique des instructions qui sont données, vous commencez à apprendre les voies de Dieu. Parce que pour te faire compter sur lui, il ne te dit pas que compte sur moi, tu comprends. Il te juge juste que quand tu vas là-bas dehors, on te gifle, ne réponds pas. Il ne dit pas que je suis au courant. C'est quand tu prends, on te gifle deux fois, ça te fait mal. Tu dis, mais le type, s'il me dit que tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu ne le vois pas. Mais il est dans l'invisible en train de contrôler. Donc, quand il dit aux juifs que quand vous allez aller dehors, la manne va sortir, les grains de coriandre là-bas, quand vous allez voir, quand vous allez sortir, n'en prenez pas pour garder chez vous. Il voulait leur apprendre cette notion-ci. Savoir compter sur Dieu, sur ses bontés. Car à chaque jour suffit sa peine. Pour leur faire comprendre ça, il donne juste une instruction. Quelqu'un a dit que le Moïse, là, c'est sûr qu'il n'a pas bien entendu l'autre là. La notion de notre monde dit que quand tu as la nourriture, il faut mettre l'autre en réserve. Le matin, tu chauffes. Et le matin, quand il avait gardé ça, ce qui était à l'intérieur avait les vers, ce qui était dehors était sain. Vous comprenez cela? Pour dire que chaque fois quand tu n'écoutes pas l'instruction de Dieu, la voie que tu viens de prendre, c'est la voie de perversion. Regardez le verset 12 du chapitre 25. Chapitre 12 du verset 25 de Psaume. Il dit quoi? Psaume 25, verset 12. Vous n'êtes pas. Vous faites comme ça, ça va même bloquer. Quand ça. Le verset 12 dit quoi? Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Oui. L'Éternel lui montre les voies qu'il doit choisir. Il n'a pas encore trouvé le son. Donc, on va faire une chose avancée. Il n'a pas encore trouvé. Il dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? Si tu crains l'Éternel, il te montre la voie que tu dois choisir. Que marche comme ça, tu marches. Marche comme ça, tu marches. Va comme ça, tu vas. Donc, la relation avec le Seigneur nous donne de connaître son intimité. Ce qu'il ne veut pas. Alors, le comportement donc. Vous êtes prêts vraiment à me supporter ce jour? Amen. Je vais vous faire le lavage des cerveaux. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Plus tard, il va dire, l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre au pécheur la voie. Il dit au pécheur que voici la voie, j'ai mêlé le sang, le sacrifice. Entrez ici, buvez. Il dit que non, il veut le bruit du carrefour. Alors, vous remarquez très bien que vous paniquez, ça ne change rien. Vous faites les efforts, ça ne change rien. Dieu peut briser votre force par les situations tout autour de toi. La seule chose à faire, c'est de revenir en soi-même et être fort dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans la grâce du Seigneur. Par sa relation. On va monter tout cela. Et à partir de demain, on va passer maintenant à la phase pratique de tout ce qu'on a fait ici.
La partie de demain, c'est la partie pratique. Donc, il faut que je puisse tout ce qu'on va faire aujourd'hui. D'accord? Vous me laissez que je puisse ça, non? Amen. Alors, il dit ici, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Donc, en réalité, tu veux choisir quelque chose. Tu veux marcher quelque part, mais tu ne connais pas. Dans le Proverbe chapitre 14, verset 12, il dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est quoi? La mort. Quand tu prends cette mapane comme ça, tu dis non, il va passer le raccourci pour arriver là-bas. Tu ne connais pas ce qui est au bout. Or, il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? C'est à lui qu'il faut se confier pour qu'il te guide sur la voie que tu dois choisir. Il t'a donné le cerveau. Mais il te dit que ne te repose pas sur ton propre intelligence. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. N'est-ce pas, on connaît tous ces versets? Mais quel est le problème? Quel est le problème? Parce que la vie, d'une façon ou d'une autre, nous éduque. Nous donne son standard. Nous met dans une autre norme. Au point, je prends un exemple simple. Je veux que vous me montrez dans la Bible l'école pour être roi. Je vis dans ma Bible, dans votre Bible et dans l'histoire. Je veux que vous montrez une école où on entre dans l'administration pour diriger un pays. Il dit, je vais vous faire le lavage du cerveau. Et, attendez, je sens d'avancer doucement, doucement. Si vous ne trouvez pas le verset, j'avance encore en eau profonde. Vous avez vu ça, un verset? Où est l'école de formation où est passé David, Saül, Salomon pour diriger bien Israël? Il y a un pays qui était dirigé bien que ce pays-là. Ils étaient à quelle école de formation? Vous y avez la pensée? Est-ce que vous avez la réfléchir là-dessus? Ce que je veux dire, c'est que quoi? Pour être un bon président dans un pays, pour diriger un bon pays, on s'attend à ce que tu aies quoi? Quoi? Que tu aies quoi pour pouvoir diriger? Le diplôme. Est-ce que vous cherchez quoi? On t'a même déjà formaté que toi-même, si on te dit que frère, tu dois être président du pays, tu vas dire que qui, moi? Tu m'amuses. Il y a les professeurs agrégés ici. Ok. Montrez-moi un pays dans ce monde-ci maintenant. Là, maintenant, il dit, c'était un pays, un, qui est dirigé normalement comme Dieu veut, avec tous les diplômés là. Ça vous fait réfléchir, n'est-ce pas? Mais quand vous avez quelqu'un qui fréquente, il est au Cameroun, il fait littérature. Première chose, quand je vais avoir mon bac, je vais faire l'ENAM. Quelqu'un dit l'ENAM. Pour savoir administrer. Quand Joseph était en prison, là, il avait fait l'ENAM. C'est un agrégé d'économie, n'est-ce pas? Dans l'esprit. Les économistes qui étaient là-bas, ils savaient ce qui se passait. Pointe quelqu'un, dit, ne te repose pas sur ta sagesse. Que ton cerveau soit nettoyé. Que ton cerveau soit nettoyé. Donc, ce que je viens de dire, c'est en fin de compte, le monde nous a inculqué un standard. Et on a admis, en laissant ça en nous comme tout naturel, comme si c'était la norme. En réalité, cette norme-là doit être dénormalisée pour respecter et rentrer dans le standard du Seigneur. Voici le standard du Seigneur. Dans Deutéronome chapitre 8, quand il a fait sortir les Juifs, vous prenez depuis le chapitre 6 jusqu'au chapitre 8, il dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel te donne, ce pays où coule le lait et le miel, et quand tu auras planté tes vignes, les menus bétail, ainsi de suite, quand ça te produira, il dit, point, garde-toi de dire en ton cœur, c'est ma force qu'il a donnée. Qu'est-ce que Dieu en train de faire? Dieu veut dire que tout ce que tu peux faire, la capacité vient de lui. Vous imaginez quelqu'un dit que non, celui c'était un professeur de droit. Il s'appelle Alpha Condé. Quand il avait monté au pays, quand il était opposant, il disait que voici la norme. Voici normalement, voilà comment la justice est. Vous allez au tribunal là-bas, vous sortez le livre de droit, vous montrez à quelqu'un. Quelqu'un vient, il prend le même livre de droit, il dit que tu n'as pas bien compris, il faut aller lire tes cours. Entre eux, ça se bat au tribunal. C'est eux qui ont écrit. On dit que le législateur a pensé qu'il y a un vide juridique. Pourquoi on ne le rend pas bien en justice si tout est bien écrit? Parce que la justice est esprit. Vous comprenez? Ce que je suis en train de vous la dire, c'est que le standard que vous avez assimilé du monde doit être nettoyé. Pour réussir dans le monde, il faut avoir des grands diplômes. Tu fréquentes jusqu'à ce que tu aies le master 1, master 2, 3, 4, 5, 6. Spécialiste en robotique. Tu vois quelqu'un qui il sait faire le beignet, il sait faire l'élevage, il sait faire ceci, il coule le drapeau.
il est carpenter, il est soudeur, il se situe, j'ai tous les diplômes en tout cela. Maintenant, va voir ceux qui ont construit le temple de Salomon. Ceux qui ont conçu et conçu, ceux qui ont eu à recevoir la construction de ce que Moïse a vu en vision. Dieu dit que j'ai mis mon esprit en eux pour qu'ils soient capables de réaliser les bonnes œuvres. Ils étaient diplômés. Un architecte de maintenant peut faire ce qu'ils ont fait. Pour que quelqu'un dit change de standard. L'esprit de Dieu est capable de tout. Regardez juste le génie de la création. Regardez la conception dans la création. Et regardez, il n'y a personne qui peut égaler même seulement une seule feuille. On ne peut pas faire. Il dit la feuille qui va tomber et mourir là. Et c'est chez personne qui peut réaliser cela. Mais nous, quand on regarde les autres grades, ils appellent ça gratte-ciel de Shanghai, on dit que non, quelle grande œuvre. Pourtant, ça, c'est la boue. Dieu a montré que même la seule mouche, même la conception de la seule mouche, dépasse l'ingéniosité de l'homme. Alors, ça veut dire que c'est à lui qu'on doit se confier. Donc, il faut qu'on change de standard. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Verset 12. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. D'accord? Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux s'aient. Ouais, réagissez avec moi, sinon je vais couper court aujourd'hui là. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent à mes voix. Vous voyez, qu'est-ce qu'il a dit? Il attire le regard, que change de standard, viens à moi et supplie ce qu'ils sont dédiés. Concentre-toi sur la direction qu'ils sont donnés. Donne-moi ton cœur. Donc, attention, tourne ton cœur ici. Et que tes yeux se plaisent à mes voix. Donc, dans ce psaume 107, le verset 3, dans ce psaume 103, le verset 7, il dit qu'il a manifesté ses œuvres, ses voix à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Quand tu connais Dieu, écoutez-moi bien là maintenant, quand tu connais Dieu dans l'expression de ses miracles seulement, il se pourrait que quand il n'y a pas de miracles, tu cesses de croire. Tu doutes de lui. C'est pour cela qu'il faut la révélation de sa personne. Vous comprenez? Les disciples, quand vous lisez les Saintes Écritures, vous regardez très bien, vous avez remarqué que les disciples, aucun des disciples de Jésus là, ne le suivait pas à cause des miracles qu'il accomplissait. Mais à cause de la personnalité qui dégageait de sa personne. Vous comprenez? Quand il voyait le miracle, il le chassait seulement. Hé, hey, sans poisson, celui-ci, Seigneur, éloigne-toi de moi. Moi, il ne veut pas moi de problème. Je te ferai pécheur d'homme. L'être intérieur est changé. Il voit un riche qui a le compte de l'argent, Lévi, compte, c'est 400 $. Ouh, on a travaillé aux yeux. Il le regarde juste comme ça. Tu as fini de compter, oui, oui. Suis-moi, tu vas compter les gens dans le royaume. Amen. Il laisse l'argent là-bas, il commence à suivre. Mouton, jusqu'à ce qu'un jour il dit que mais, nous avons tout abandonné pour te suivre. Qu'est-ce qui est arrivé de nous? Il venait se rendre compte que ça fait 3 ans qu'il avait abandonné tout. Des voix du Seigneur. Oh, il n'était pas derrière lui pour cela. Vous comprenez cela? Mais quand il se rend de prêcher, quand ça ne va pas, quelqu'un trouve le support, dit que c'est le moment de faire le partage. Tandis qu'il parla ainsi, une femme éleva du milieu, un homme éleva le milieu de la foule. Seigneur, dis à mon frère de partager les biens avec moi. Voilà ce qu'il a entendu dans la prédication. Que comme le type parle, on entend. Si il dit maintenant que donne sa part, il va donner. Qu'est-ce qu'il cherche? Les œuvres. En réalité, vous ne me cherchez pas pour ce que vous avez fait, mais pour le pain. Vous avez mangé, ouais, les œuvres. Vous avez été rassasiés. On dit, les gars, s'ils avaient pensé, ils sont réunis du gars. Tu as vu comment il a fait? Il a fait, pac, on a mangé, on a rassasié. Les héros, si on fait quoi depuis qu'ils sont ici? Attrapons-le pour le faire. Non, roi. On chasse Hérode là-bas, on le tue dans la nuit. On met le feu, on prend Jésus, on met là-bas. Est-ce que tu vas encore aller au champ? Quand tu as besoin, tu dis, Seigneur Jésus, il multiplie le pain, tu manges. Jésus dit, ok, c'était pour l'autre père, c'était pour vous attraper. Maintenant, travaillez pour ce qui ne périt pas. Le vrai pain qui vient du ciel. Il dit, quel pain? Quand la suite, c'est qu'il demande à Jésus, quel miracle fais-tu pour que nous croyions en toi? Il venait de faire le miracle du pain. Ça n'a pas fait un jour. Les œuvres. Vous remarquez ça, frère? Donc, voici les gens en qui Jésus vient de faire. Là, ils sont de parler des gens, chapitre 6. Ils viennent de faire le pain. Ils ont mangé. Jésus a accompli leur truc, il a un pian. Il est allé dans les montagnes. Passer sur l'eau, sorti ici. Les gars sont restés comme ça, ils disent que le type-ci, le déjeuner, pas le déjeuner ce matin-ci, il est parti où? Il est allé comme ça, ces disciples sont allés comme ça là.
Direction, bam, trouvons les disciples. Parce que si il y a les disciples, il est là-bas. Les montagnes, on ne sait pas ce qui se passe par là-bas. C'est ceux qui ont un raccourci là-bas. Effectivement, ils sont allés là-bas, mais nous trouver là-bas. Il dit, vous me cherchez parce que vous avez mangé, vous avez été rassasié. Et si vous comprenez ça, frère, les œuvres. Jésus a commencé à dire que c'était pour vous attirer l'attention, pour dire qu'il y a plus grand que ce pain-là qui descend du ciel, qui se donne pour vous tous, que vous soyez rassasiés. Il dit, quel miracle fait-il que vous croyez en toi? Il n'a pas fait les miracles, frère. Donc, il a manifesté là les œuvres, mais ils n'ont pas connu ses voies. Il dit, voici le vrai pain qui est sorti du ciel. Il dit, Moïse ne vous a pas donné le pain. Il dit, ta tête ne tient pas. Il dit, voici le pain qui est descendu du ciel. Mon corps, c'est le pain. Mon sang, c'est le breuvage. On dit, ok, je comprends ce que tu as envie. Sorcier. Ah, parce qu'il venait de manger la nourriture d'un sorcier. Qu'est-ce? Jésus leur indiquait la voie pour arriver à Dieu. Il cherchait les œuvres. Quand tu cherches les œuvres, pierre d'achoppement. Cherchez la voix de Dieu. Que tes yeux se plaisent à mes voix. Vous comprenez? Amen. Caractère. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme un proie arraché d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Ouh, magnifique Jésus. Vous avez moi? Amen. Il y a la voix de Dieu. Il y a les œuvres. Quand vous comprenez bien la voix de Dieu et vous marchez dans ses voies, les œuvres vont suivre dans cette voie. Amen. Si vous laissez ses voies et marchez dans les œuvres, vous pouvez faire les œuvres sans connaître ses voies et vous allez à la perdition. Donc, qu'est-ce qui vient en priorité? La voix du Seigneur. Hébreux chapitre 3. Quelqu'un qui cherche les voies de Dieu cherchera la voie de Dieu jusqu'à voir la face de Dieu par rapport à cette voie-là. Celui qui cherche les œuvres, s'il cherche, ça ne marche pas. La philosophie va commencer, même chez les marabouts. Si c'est la guérison que la personne veut vouloir. Mais quelqu'un va venir vers toi. Je connais quelqu'un qui était comme ça, il disait qu'il avait la foi pour attendre la guérison. Il est finalement mort. Dès qu'il part comme ça, Satan vient dire que tu as entendu, non? La personne était mort, il disait que Jésus va le guérir. Jésus n'a jamais guéri parce qu'il cherche les œuvres. Et finalement, quelqu'un va venir te dire que, ok, voilà, c'est docteur Ngewa qui fait ça. Spécialiste en plan. Voilà ça. Si tu bois, tu es guéri. Il laisse ça. Tu restes comme ça, l'évangélisation commence. Tu regardes la plante te regarde, tu regardes sa plante. Après, tu dis que non, c'est quand même Dieu qui a quand même fait. Tu prends, tu bois. Quoi? Les œuvres. La foi n'était pas stable pour marcher dans les voies. Donc, quand tu cherches les œuvres, c'est pour que tu passes chez le marabout en disant que je m'avais cherché au moins la guérison chez le marabout et puis revenir demander pardon à Dieu. Vous me comprenez? Bonjour à Bonabiri. Bonjour. J'ai dit, je vais vous laver le cerveau. Oui. Que frère, je ne suis pas au village, fais le sacrifice. Après, il demande pardon. Dieu va me pardonner. Il va te pardonner, mais tu es dans les œuvres, tu n'es pas dans ses voies. Parce que ses voies, c'est que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Tiens ferme dans sa voie. Écoutez ces gens-là. Ce qu'il venait citer, c'est dans le livre de Daniel chapitre 11. Alors, ces gens-ci qu'on dit que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, on a vu clairement un de ces jours comment on a fait une statuette. On a dit que tout le monde doit se prosterner. Si vous ne prosternez pas, dans le feu. Il y a des gens qui étaient bien placés, ce n'étaient pas des pauvres. Ils étaient même dans le royaume. Les amis du roi, mangeaient dans le palais, touchaient les salaires là-bas. On a dit qu'il y a des gens que tu as pris ici, tu nous as donné la nourriture, ils ne veulent même pas entendre parler de ton Dieu. Il dit vrai, Dieu, amenez-les dans ma présence. Le roi parle face à face, le roi. C'est-à-dire le président du pays dit, est-ce de façon délibérée que vous avez refusé de ne pas adorer mes dieux? C'est-à-dire que le type, si, mais Dieu, si. Il dit vrai, peut-être qu'on a dû donner les mauvais renseignements. Chalumeau sonné, on fait pim-pim, il guette comme ça là. Pim-pim-pim-pim, les gardes sont debout. Le roi dit mince. Il dit sache au roi que notre Dieu est capable de nous délivrer de tes mains. Quand les gars parlent comme ça, Dieu n'est pas quelque part à côté d'eux. Quelqu'un dit Dieu est invisible. Tes problèmes sont réels. Tes ennemis sont visibles. Tu n'es pas trop sûr que le temps que Dieu quitte de l'invisibilité pour venir intervenir dans le visible, les gars ne vont pas te faire du mal.
Parce que vous vous rendez compte que je suis, voici l'enfant de Dieu, voici l'ennemi. Je vais vous dire quelque chose, que Dieu est plus proche que lui. C'est-à-dire que Dieu est plus proche de nous que l'ennemi qui est visible. C'est ça la chose. Quand vous connaissez la voix de Dieu, vous comprenez cela. Si vous comprenez, frère, il dit que sache, ô roi, que nous n'adorerons pas ton Dieu. Et notre Dieu est capable de nous délivrer de sa main. Il y a la version, la suite qui me plaît beaucoup. Il dit, et même s'il ne nous délivre pas, voici les gens qui ont connu la voix de Dieu. Parce que Deutéronome 20 dit que tu ne te prosterneras point devant une image taillée. C'est réglé. Il n'y a pas à philosopher. Et si je mets seulement comme ça là, et puis je me lève, Dieu va comprendre. Il va comprendre. Sauf que tu es déchu de sa grâce. Si vous comprenez. Il dit, sache, ô Dieu, que nous n'adorerons pas ton Dieu. Ça, c'est clair. Donc, ça dit que c'est clair. Quand ces gens s'y ont fait, ils ont pris quoi? Position pour la vérité. Je viens de dire qu'ils étaient des chefs dans le royaume. Ça dit qu'ils étaient comme des ministres. Ils avaient des postes ministériels. Ça veut dire quoi concrètement? Le privilège qu'ils avaient, article 2, les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Ils avaient peut-être des maisons de service. Peut-être ils ne payaient pas le courant, ainsi de suite, ainsi de suite. Tous les avantages. On leur dit seulement que fais comme ça là. Et puis on te lève encore. Ils disent non. Il se pourrait qu'à l'issue de cet acte, on enlève tout, tu deviens zéro dans la société. Mais c'est le prix à payer pour tenir ferme devant le Seigneur. Amen. Alors, on n'allait pas me dire que frère Junior, ma mère m'a dit que si je ne pars pas au village pour célébrer ça, je sors. Point quelqu'un dit, et le problème de frère Junior dedans, c'est quoi? Vous avez vu là-bas, Abednego Shadda ont invoqué Moïse, Daniel ou quiconque. Chaque personne a une confrontation, il doit prendre position pour sa foi. Ne compte pas sur la foi du pasteur pour te tenir ferme comme toi. Est-ce qu'il peut parler, frère Junior? C'est fort chez moi. Mon mari me dit qu'il sort. Et puis tu es sorti pour venir chez moi. Prends position. Chaque personne sera confrontée à une réalité où il doit se compromettre devant la Bible. Et c'est un passage obligatoire. Il y a des épreuves dans la vie. Quand vous allez à l'école, il y a des épreuves qui sont plus dures que les autres épreuves. Donc, il y aura le truc, tu vas dire comme ça, là, quelqu'un va te dire que ah, le Benzikinin, ah, il a oublié de payer, tu as oublié de prendre son argent. Ça, c'est petit, pour tester si tu peux prendre l'argent. Ah, c'est quoi? Même moi, on avait volé mon argent, ça a fait quoi? Ah, je pars avec ses 200. Est-ce qu'il a vu? Vous comprenez ce qu'il veut dire? Le pot de monnaie de quelqu'un tombe comme ça, pam, tu vois, tu prends. Au lieu de prendre du donné, tu dis que moi, je n'aime pas la rente assis. Seigneur, merci d'avoir donné son argent. Tu prends. So, voilà le petit test. Mais le vrai, c'est se trouve chez toi. Où tu viens de ces jours, ton mari te dit, il te voit encore mettre les pieds là-bas, tu sors de chez moi. Les réflexions commencent. Bonjour au mari. Bonjour. Bonjour aux grands maris qui sont là. Bonjour. Bonjour aux femmes qui grandent les vies dues à leur mari. Si nous tous, le mari prend position pour la Bible, la femme prend position pour la Bible, le foyer est en harmonie. Amen. Le déséquilibre arrive quand quelqu'un prend position pour Dieu et l'autre ne prend pas position. Quand quelqu'un ne prend pas position pour Dieu, il est dans la position de... Comment il dit Dieu, vous pouvez dire l'ennemi. L'ennemi, c'est qui? Satan. Vous avez peur d'appeler son nom? Satan. Ça veut dire qu'à l'intérieur de la maison, il y a deux parents. Et comme l'ennemi... Vous savez que quand vous mariez, c'est deux familles, non? Amen. Quand le beau-père de la famille des garçons vient visiter la maison, quand il finit de partir, le beau-père de la famille de la maman aussi vient à la maison. C'est-à-dire que c'est quand la femme, son père vient à la maison, il y a un peu de paix. Quand il part, l'autre vient, il y a quoi? L'anti-paix. Il dit que je ne comprends pas la femme-ci. Je ne comprends pas la femme-ci. Il dit que ouais, maudit soit le jour où il t'est rencontré. Et voilà donc les gens qui sont appelés à habiter ensemble. Quel est le problème? C'est que chacun ne tient pas ferme devant les Écritures. Regarde quelqu'un bien droit dans les yeux. Tu souris d'abord. Tu souris. Et puis tu dis que bonjour mon frère. J'ai l'honneur ce matin de t'annoncer que si tu es enfant de Dieu, ça montre que tu es dans les problèmes. Parce que tes ennemis sont nombreux. Et ton Seigneur a dit même les premiers ennemis, c'est dans la famille. Et à cette famille, à ses ennemis, tu dois prendre position. Imaginez que Jésus en train de parler comme ça, il enseigne sur la famille. Il dit, je suis venu sur la terre pour jeter un feu. Il dit, je m'en fous si ça brûle même déjà.
Il dit que dans une maison, il y aura 5, 2 seront contre 3. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Et quand ça arrive, quand vous lisez dans la Bible, vous voulez que la Bible soit vraie dans quel foyer? Quand vous ouvrez ce Matthieu, chapitre 10, qu'il est en train de dire, il dit, dans une maison, la belle-mère sera contre la belle-fille. Toi, tu es marié. Tu lis ça chaque jour. Donc, tu attends que ça l'appelle, mais quelqu'un qui soit essaie dans le problème avec la belle-fille. Ça commence par toi, pour que tu saches que le verset est vrai. Amen. Donc, quand tu vois ça, tu dis, hey, « Seigneur, tes versets sont vrais, je vis ça moi-même ici. » Mais la question, c'est, pendant que tu vis ça, qu'est-ce que tu vas faire? Et quand tu es fille de Dieu, tu commences à entendre la voix de Dieu, commence à te dire, amen, l'attitude, ce n'est pas de le confronter dans les problèmes. Prie. Amen. Prie. Amen. Prie, d'accord? Amen. La prière du juste est une grande efficace. Ça peut faire fléchir n'importe quoi. Observez Esther. Il y a un problème avec son peuple. Elle va dans le jeûne et la prière. Amen. Et quand elle part dans le jeûne et la prière, une loi dit que si tu viens sans que le roi ne t'appelle, qui que tu sois, tu dois mourir. Il dit, je vais jeûner. Prier. Je vais entrer. Si je dois périr, je périrai. Voilà la position des gens dans les Écritures. Vous dites seulement Esther, qu'Esther était belle, elle était belle. Il a, point quelqu'un dit qu'elle a aussi pris position. Il ne faut pas seulement prendre la partie où on a dit qu'on a mis le truc sur elle pendant 12 ans, pendant 12 mois. Mais regardez sa position. Elle a jeûné 3 jours. Quand on te dit que jeûne 3 jours, tu es moment d'estomac. Et là, tu n'as même pas de problème comme Esther. Parce que le problème, c'était qu'on devait décimer toute sa population. Toute sa race fait disparaître. Elle a pris position, elle dit, allez, jeûnez avec moi. Je jeûnerai avec mes servantes sans manger, sans boire. Et après le troisième jour, j'entrerai. Et si je dois périr, je périrai. Dès qu'elle a mis son pied comme ça, boum, quand le roi a vu comme ça, ça a fait vouf, vouf, vouf dans son cœur. Il dit, Esther, il ne te demande pas un jour, demande même la moitié du royaume. Point d'applaudissement pour les femmes là. Je vous dis, vous les femmes, je vous dis, si vous saviez quel pouvoir vous avez lorsque vous entrez dans le jeûne, que ton mari dit que c'est la dernière fois qu'il voit ça, c'est la dernière fois qu'il voit ça ici. Tu le calmes avec le ndolé, un bon plat de ndolé. Quand il finit de manger, il dit que ne me flatte pas avec le ndolé. Tu comprends que la chaîne, ça ne passe pas, va dans l'océan, c'est clair. Quand il va accepter, il ne donne pas savoir ce qu'il le fait accepter. Amen. Vous comprenez, non? Amen. Très bien. Il y a des hommes qui sont sous les gardes, que quand il va rentrer maintenant, il rentre, il fait comme s'il ne voit pas. Il voit que tu as bien dressé le dos, alors que le lit n'est pas souvent dressé. Il dit qu'elle veut me flatter. Qu'elle a changé aujourd'hui, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, elle, il en est suivi, mais ce qu'il peut suivre, c'est son cœur. Quand Dieu a incliné ton cœur en voyant qu'elle a accepté. Vous comprenez, non? Il vous donne les secrets comme ça, là. Quand c'est bon chez vous, personne ne dit. On appelle seulement quand il y a les pleurs. Quand j'entends c'est grave, c'est grave. Est-ce que le frère Junior est là? C'est grave là-bas. Ah, que Dieu vous bénisse, d'accord? Dieu veut qu'on vive en paix. Amen. Et béni soient les foyers dont l'homme et la femme sont chrétiens. Amen. Je vous le dis. Dans 1 Pierre chapitre 3, la Bible déclare que Marie, honorez vos femmes. Faites comme ça pour que rien ne vienne faire obstacle à votre prière. Donc Dieu dit que si la femme et l'homme sont en harmonie comme ça, vous priez, n'importe quoi vous demandez, ça va agir. Amen. C'est pour ça que Satan fait tout et tout pour frapper le foyer. Pour que l'un, il y a des incompréhensions. Sachant que quand tu pries, ça ne marchera pas. Parce que depuis que vous êtes liés, ta prière est liée à sa prière. Ton exaucement est lié à son exaucement. Amen. Regarde quelqu'un à côté de toi. Dis, si tu es enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu. Tu as beaucoup de problèmes. Tu as beaucoup de problèmes. Dont beaucoup d'ennemis. Et le début des ennemis, c'est à la maison. Les femmes, vous avez le pouvoir. Le pouvoir de transformation de cœur. Amen. Vous jeûnez un jour comme ça, tu ne dis rien. Tu jeûnes. Même s'il dit qu'il veut ton truc, donne-lui en jeûnant. Pendant qu'il en est fait, tu dis que dans ton cœur, tu dis que Seigneur, frappe son cœur ici. Frappe son cœur. Quand il finit, vous allez s'asseoir sur le lit. Quand il s'assoit comme ça, il dit. Bon, il va appeler le nom. S'il y a le nom là ici, ce n'est pas à toi qu'il m'adresse. Il faut qu'il prenne un exemple, d'accord? Il dit Abigail. Abigail. Je ne t'ai jamais dit ceci. Sous mon lit, là, je casse souvent l'argent là-bas. Prends ça, tu achètes les pains. Alléluia. Alléluia. Amen. Prends ça, tu achètes les pains. Pourquoi? Parce que tu as touché son cœur. Il ne sait pas que c'est toi qui as fait ça. Que tu as comploté avec ton père. Il cachait d'abord l'argent. Pourquoi? Alors que tous les argents doivent être...
Tout ça, c'est quoi? Parce qu'on a un mauvais enseignement. Que quand tu es à la maison, ne montre rien de chez bien à ta femme. Parce que les femmes sont les panthères. C'est une vérité aussi. Que les femmes sont les quoi? Les panthères. Que si tu... Elles cachent leurs griffes. Quand elles entrent chez toi, elles cachent sa griffe. Donc, elles ont les griffes rétractiles. Ça entre, ça sort comme pour les chats. Que tu lui montres tes biens, elle va te tuer pour prendre ça. Et pour faire quoi avec ça? Vous voyez que chez les chrétiens, ça ne doit pas se passer. Il n'y a même pas ces pensées. Mais comme on a été hérité, on a hérité ça des choses, les gens aussi viennent en Christ et ils ont toujours cette pensée-là. Comment tu peux partager ton intimité avec quelqu'un, le superficiel, tu ne peux pas partager avec lui? Ça n'a pas de sens. Maintenant, si elle met plutôt le serpent à l'intérieur, tu ne peux pas coucher là-bas. Qui est là-dedans? C'est même là qu'il faut surveiller. Puis quand tu vas aller à l'essai, puis ça chauffe, tu comprends que c'est grave là-bas dedans. Et là, tu comprends donc qu'en fin de compte, c'est même là-bas qu'il fallait suivre. Alors, votre femme est votre partenaire, votre ami, votre confident. Votre femme est plus confident et plus confidentielle que votre maman. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, c'était des passages, d'accord? C'était le lavage de cerveau 2.0. Amen. Maintenant, on peut avancer. Donc, lorsque vous connaissez les voies de Dieu, vous ne paniquez pas devant les événements. Parce que vous savez que vous marchez avec quelqu'un à côté de vous qui assure la protection de votre vie. Ma vie, en Dieu, j'ai la confiance. Faites attention, ne chantez pas si vous ne croyez pas. Parce qu'il vient encore dire quelque chose pour laver le cerveau. Ma vie, si tu ne veux pas chanter, si tu ne veux pas croire, arrête ta bouche comme ça. Si je la lui confie, il prendra soin de moi. Jamais il ne m'abandonnera. Si je la lui confie. Donc arrêtez dans ce chant-là, on dit que si je la lui confie. Donc ça veut dire que ça n'a pas encore été confié. Ça veut dire que si je la lui confie, jamais il ne m'abandonnera. Dans ce cas, pourquoi on dit plus Seigneur, tu es où? Il a dit, j'aurai le regard sur toi. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. C'est donc avec assurance. Quelqu'un dit avec assurance. Assurance. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, l'Éternel est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Ouvrez Hébreu. Nous avons d'abord ouvert Hébreu chapitre 3. Bon, restons-y maintenant, lisons avant de passer ici. Hébreu chapitre 3, versets 4 à 7. Que Dieu bénisse Bonabéry. Bénisse Bonandalé. Mm-hmm. Chaque maison est construite par quelqu'un. Oui. Mais celui qui a construit toutes choses, oui, c'est Dieu. Oui. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, mm, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Oui. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que... Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Mm-hmm. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, oui, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, oui, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Donc vous vous souvenez ici maintenant que de la tentation, Dieu dit que si vous entendez sa voix, et dans le psaume 81 que nous avons lu, il dit que si on écoutait sa voix et puis on marchait dans ses voies, n'est-ce pas? Il dit, ne faites pas la même bêtise que les gens ont fait lors du jour de la révolte, de la tentation à quoi? D'accord? Au désert, oui. Où vos pères me tentaient, oui, pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Ils ont vu quoi? Ses œuvres. Souligner les œuvres. Donc il y avait des preuves manifestes de la puissance de Dieu. Ils ont vu les œuvres. Amen. Donc le peuple a vu les œuvres. Pendant combien d'années? 40 ans. Mais jusque-là, ils ont tenté Dieu. Quelqu'un va avoir une grâce aujourd'hui. La prochaine fois, Dieu ne répond pas selon qu'il veut. Il dit que je quitte l'église. Je ne suis plus là. Pourtant, quand tu regardes ta vie, tu comprends que ta vie est une histoire de dons, de manifestations, de faveurs de Dieu. Et puis là, maintenant, tu te rends compte qu'en fin de compte, tu en es servi Dieu pour attendre. Donc, Dieu est ton serviteur. Ça, au point où s'il ne répond pas, tu changes d'avis. C'est ce qu'Israël a fait. Continuons ici. Verset 10. Et quand ils ont fait cette condition, si Dieu va dire quelque chose. Aussi, je fus irrité contre cette génération. Lis plus fort, mon frère. Les gens qui sont en ligne ne comprennent pas. Et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils ont toujours un cœur qui quoi? Qui s'égare. Donc, ça veut dire que le problème, c'est le cœur. Mm-hmm.
Ils n'ont pas connu mes voix. Vous avez entendu ça? Hein? Pourquoi ils s'égarent? Parce qu'ils n'ont pas connu ses voix. Est-ce qu'ils ont vu les preuves des miracles? Oui. Pendant combien de temps? 40 ans. Mais ils n'ont pas connu quoi? Les voix. Très bien. Donc Dieu dit ici qu'en fin de compte, malgré que je leur ai manifesté les œuvres, des preuves des miracles, ils n'ont pas connu mes voix. Donc c'est la voix de Dieu qu'il faut chercher. C'est-à-dire quoi? L'intimité, le connaître le secret. Quand tu es en intimité avec le Seigneur, tu connais ses voix, il commence à dire, ma fille, c'est pourquoi il t'a formé. C'est à quoi il t'appelle à faire. C'est dans l'intimité que ça se trouve. Vous avez suivi, frère? Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Ouvrez Hébreux chapitre 13 et puis vous ouvrez Josué. Ma vie, en Dieu je la confie. Oh, si je la lui confie. Il prendra soin de moi. Mon frère accomplit ça maintenant, là maintenant. Confie-la maintenant. Vous êtes dans Josué chapitre 1, n'est-ce pas? Il a dit que ouvrez Josué chapitre 1 et puis Hébreux 13. Ouvrez. Attendez que les gens ouvrent. Quand tu ouvres, dis seulement un titre dans l'Ancien Testament, quelqu'un se fâche ici là. Le jour qu'on va trouver ça, c'est quand? Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Ceux qui connaîtront les dieux agiront avec fermeté. Sache, ô roi, que nous ne nous prosternons pas devant ces statuettes, car notre Dieu est capable de nous délivrer de tes mains. Et même s'il ne le faisait pas, nous ne nous prosternerons pas de toutes les façons. Ça veut dire que même si on part en main, on meurt. Ça veut dire que si ça, ça va me faire que je tiens ferme jusqu'à la mort, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous pouvez tenir ferme pour Dieu comme ça, au point où même si la mort part, vous ne regrettez pas d'avoir mouru pour Dieu? Amen. Amen. Ne dis pas amen comme ça, hein. Rapidement. Vous avez compris bien la chose que j'ai dit? Ma vie, en Dieu, je la confie. Comme je la lui confie, comme je la lui confie. Je suis celui qui prendra soin de moi. C'est pas ça? Hein? Si vous êtes là, ouvrez-vous dans les passages qu'on va lire. C'est bon? Amen. Très bien. Maintenant, nous allons lire Josué chapitre 1, le verset 5, 6. C'est toi qui vas lire. Toi, tu lis bien à haute voix. Oui. Les deux gens, on va compter sur eux là-bas. Oui. Verset 5 et 6. Nul ne tiendra devant toi. Oui. Tant que tu vivras. Oui. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Oui. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Oui. Fortifie-toi et prends courage. Oui. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Très bien. Qui en est de parler? À qui? Donc, le Seigneur en train de parler face à face avec Josué. Fortifie-toi et prends courage. Nul ne tiendra devant toi. Ne crains point. Je serai avec toi. Pas vrai? Amen. Hébreux chapitre 13. Ne fermez pas ce livre de Luc, de Josué. C'est bon? Très bien. Lis encore le verset 5. Toi, lis le verset 5 et 6 aussi, toujours. De Hébreux 13, oui. 5 et 6. Mm-hmm. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Stop. Vous avez entendu ça? Hein? Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Donc, il commence par dire, l'argent, c'est un problème. Tu dois voir quelqu'un se reste à la boutique, il est en train de dormir comme ça, tu entends 250. Mon argent. Et c'est quoi? Bonjour, mamie, il est 300. L'argent. L'argent a inondé son cœur. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Il ne dit pas, ne cherchez pas l'argent. Il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Et il continue en disant, contentez-vous de ce que vous avez. Car, et là, il justifie. Il vous a dit que le livre d'Hébreux, c'est le livre des démonstrations. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisse. Vous voyez ça? Donc, Dieu veut nous faire comprendre que ne livre pas ton âme dans ce sujet de l'argent. J'ai dit quelque chose à propos de toi. Je ne te délaisserai point. Donc Dieu est au courant de ta situation financière. Amen. Il reste maintenant à lui faire confiance. Je ne te délaisserai point. Donc Dieu, si vous regardez dans votre vie passée, vous allez voir que Dieu a toujours pourvu.
C'est quand on quitte les yeux du standard de Dieu, on commence à vouloir vivre les autres standards, qu'on commence à avoir des problèmes. Il dit car Dieu a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai donc point. Et il dit, comme Dieu a dit, c'est donc avec assurance que je puis dire, le Seigneur est mon aide. Vous entendez ça? Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai pas une crise économique. Je ne craindrai pas, parce qu'on parle de l'argent là-bas. Je ne craindrai rien. Et puis il vous pose la question. Que peut me faire un homme? Donc, que peut me faire un homme? Il dit que Dieu a dit, et puis donc, je peux donc dire avec assurance. Maintenant, quand il dit que peut me faire un homme, et vous avez un voisin qui dit qu'il va te tuer dans la sorcellerie, on a allé au village, on a vu que quelqu'un va te tuer. Et tu poses la question, que peut me faire un homme? La personne que tu en as parlé, c'est un homme. Il dit oui. Ok. Ah, mais si ça veut dire qu'être humain, qu'est-ce qu'un être humain peut me faire? Voici quelqu'un donc qui a compris qui il est. Que peut me faire? Le Seigneur est mon aide. Si le Seigneur est mon aide, alors celui-là, lui, c'est qui? Mais on dit que si tu ne sors pas d'ici, tu vas mourir demain. Tu es parti, déménagement dans la nuit. Que cherche-moi le tricycle. Que Dieu nous vienne vraiment en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Vous avez compris ce qui est dit ici? Oh, l'apôtre Paul en train de Christ ici, il prend exactement ce que Dieu avait dit à Josué, qu'on a lu tout à l'heure. Dieu parlait à Josué. Mais quand Dieu parlait à Josué, il regardait tous les croyants. Il dit, ne crains point, je serai avec toi, je ne te délaisserai point. Je ne te délaisserai point. Je ne te délaisserai point. Donc, l'apôtre Paul en écrivant a dit, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point. Et quand vous regardez l'endroit, il a dit, c'est à Josué qui parlait. Donc, ça veut dire que l'écriture dit que Dieu ne doit pas me délaisser. Je le regarde sur toi. Je connais le projet qu'il formait sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me chercherez et vous me trouverez. Vous me prierez et vous exaucerez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Vous avez vu ça, frère? Qu'est-ce qu'on a à faire? Chercher ses voix. Fermez la Bible. Remercions d'abord le Seigneur. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Donc, c'était la salutation pour vous dire bonjour. Amen. Remercions le Seigneur. Remercions le Père. 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 Remercions le Père pour toutes ses offres. Remercions le Père pour ses bontés. Remercions le Père pour sa bonté. Remercions le Père pour sa bonté. Ô Père, merci pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bienveillance. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, Roi de gloire. Merci, Dieu du ciel et de la terre. Merci Seigneur pour tes bontés. Merci pour ta bienveillance dans ma vie. Merci Père de gloire. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Père de gloire pour tes bienfaits dans nos vies. Merci Père de gloire pour ton dessein, pour ton plan conçu pour moi. Maintenant ouvre ta bouche et demande au Seigneur de rectifier tes voies. Qu'il fasse arrimer tes voix à ses voix. Qu'il t'apprend à comprendre et à vivre d'après ses voix. Demande-lui, demande-lui, demande-lui. Demande au Père. Demande au Père de t'accorder la grâce de marcher dans ses voies. Père, merci pour tout ce que tu fais. Apprends-moi, Père. Apprends-moi, Père, à connaître tes voies. Enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Tu as dit que si je t'écoute et que si je marche dans tes voies, en un instant, tu confondrais mes ennemis. Seigneur, je comprends que je dois juste m'accoutumer à toi, m'arrimer à toi et laisser que tu t'occupes de mes ennemis. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père.